Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va réaliser une semaine d'Inktober. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai littéralement abandonné le challenge. C'est pour ça que je me suis dit, pour me rattraper, pour me faire pardonner, j'allais vous faire une vidéo complète dessus. Pour ce 1er octobre, nous devions dessiner quelque chose en rapport avec le rêve. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de dessiner Coraline. C'est un de mes films d'animation préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de déménager. Elle s'ennuie beaucoup dans cette nouvelle maison. Ses parents lui accordent pas trop d'attention, pas de temps non plus. Donc elle décide de se promener, voilà, de s'aventurer pour découvrir un petit peu ce nouvel endroit dans lequel elle a aménagé. Coraline est quelqu'un de curieuse, de très courageuse aussi. Et elle joue les exploratrices. Et un jour, elle découvre une petite porte dans sa maison. Elle l'ouvre et elle rentre dans un tunnel, là où le dessin a lieu. Donc ce tunnel qui va nous mener directement vers exactement sa maison en fait. Mais on va voir par la suite que c'est identique, mais à la fois complètement l'opposé. Coraline, elle n'aime pas ce monde d'adultes, elle s'ennuie en fait, et donc elle s'imagine une autre vie, un idéal, une perfection, et c'est pour ça que je l'ai un peu associée au rêve, puisque elle rêve beaucoup, c'est une vie de rêve en fait, finalement, là où elle atterrit, mais on verra par la suite que finalement, ça finit par la dévorer. La morale de ce film est vraiment de trouver le positif dans sa vie actuelle, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à avoir une autre vie, avoir la vie de quelqu'un d'autre, puisque finalement, est-ce une vie parfaite avec tout ce qu'on espère, ce serait pas ça ce qui serait ennuyant finalement. La vie, elle est faite de bonheur, elle est faite de tristesse, elle est faite de joie, de rire, de colère, de plein de choses. Et c'est ça qui fait que la vie est la vie, je pense. Il faut arrêter d'idéaliser sa vie et apprécier ce qu'on a dans la nôtre actuellement. Ce film est hyper intéressant, surtout aujourd'hui, puisque je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à vouloir un idéal de vie, à vouloir des choses, à je serais mieux sans ça, je serais mieux avec ça, à trop vouloir le parfait avec ces réseaux sociaux, et donc tout le monde a une vie différente et toi tu as la tienne et c'est tout. Apprécie, vis en fait tout simplement, et j'aime vraiment ce message, je le trouve très important. Pour ce 2 octobre, nous devions dessiner quelque chose en rapport avec les araignées. Moi, j'ai pris la décision de ne pas dessiner d'araignée, mais plutôt une femme un peu araignée, un peu contorsionniste. Je me suis inspirée du film The Ring, Le Cercle en français. Je pense que c'est un film que vous connaissez, car moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu la synopsie et ça me dit vraiment quelque chose. Donc je vous lis la synopsie directement. C'est une jeune femme qui s'inquiète pour son petit ami lorsqu'il commence à s'intéresser au mystère entourant une vidéo qui est censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l'avoir visionnée. Et cette femme se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte. Il y a un film dans le film. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus du coup, puisque j'ai pas vu le film, mais j'adore dessiner ce genre de personnage. Et d'ailleurs, je vous ferai part, par la suite, de mon tout premier dessin concernant le Inktober, puisque je l'avais fait le 2 octobre, où j'avais dessiné Arachné. Vous connaissez sûrement ce personnage de la mythologie. J'ai voulu me faire un petit rappel de cette histoire, et surtout de savoir comment elle est devenue telle qu'elle est. Donc tout commence lorsque Arachné a défié Athéna dans la tapisserie.
dans l'art de la tapisserie. Donc ce jour-là, Athéna est sous forme de vieille femme et elle donne des conseils à Arachné en lui disant que l'expérience se fait grâce aux années, qu'elle doit écouter ses conseils puisque c'est une vieille femme et qu'elle y connaît. Et Arachné ne tient pas compte de ses conseils et se moque un petit peu de la vieille femme, disant d'aller donner ses conseils à quelqu'un d'autre. Donc à partir de ça, se déroule un concours entre les deux femmes. Alors, le concours commence, Athéna se met à tisser une toile qui représente la majesté des 12 dieux de l'Olympe. Quant à Arachné, elle ose représenter la vie scandaleuse des dieux, puisque Athéna est une déesse, c'est quand même osé. Et donc, Athéna voit le travail de Arachné et elle voit qu'il y a zéro défaut, que vraiment, son travail est vraiment bien fait, ce qui l'énerve, ce qui met Athéna en colère. Elle se met à frapper Arachné et à tout simplement détruire son œuvre. Par la suite, Arachné va se pendre, mais Athéna ne s'arrête pas là et décide de la métamorphoser en une araignée suspendue à sa toile. Donc je vous cite ce que dit Athéna à ce moment-là. « Vie, lui dit-elle, malheureuse vie, mais néanmoins tu seras toujours suspendue. N'espère pas que ton sort puisse changer, tu transmettras d'âge en âge ton châtiment à la postérité. » Je sais pas, cette histoire m'a marquée et donc m'a inspirée pour ce thème-là. Sinon, on retourne à Rings, qui est une toute autre histoire. Je trouve le résultat vraiment bien. J'ai mis des petites toiles d'araignée pour quand même rappeler le thème de l'araignée. Pas vraiment une araignée, c'est juste une femme qui fait peur. Pour le 3 octobre, nous devions dessiner un chemin. Et là, je vous ai perdu, puisque il n'y a pas de chemin sur mon dessin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai décidé de m'inspirer d'Alice au Pays des Merveilles, et sachez que mon idée première n'était pas du tout celle que vous voyez. À la base, je voulais avoir une vue sur la serrure que vous voyez en fond, qui représente la serrure de la porte couvre Alice, avant d'entrer dans ce monde, et avoir une vue sur le lapin qui court dans un chemin. Vue de dos. C'était ma première idée, sauf que j'ai pas trouvé de modèle de lapin qui court, donc j'ai galéré en fait. Je me suis dit que j'allais tout simplement présenter le lapin blanc en premier plan, puisque finalement le rôle du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, c'est de guider Alice. J'ai juste dessiné le lapin avec des cœurs pour pouvoir rappeler cet esprit d'Alice au Pays des Merveilles, la serrure en fond. Je suis contente de mon lapin, j'adore le style, mais voilà, je sais que j'aurais pu faire mieux. On passe au Inktober numéro 4. Le 4 octobre, nous devions dessiner avec le thème esquive. Vraiment, j'étais perdue. J'ai donc écouté de la musique, regardé sur Pinterest un petit peu des gens qui esquivent, tout ça. Et la musique m'a donné de l'inspiration et je me suis imaginé un dragon. Et donc j'ai eu l'idée de mettre quelqu'un qui esquiverait le dragon, comme si le dragon volait au-dessus d'elle et que la personne devait se baisser pour esquiver le dragon. C'est donc ce que j'ai fait à travers ce dessin. Je suis assez contente de mon dessin. Peut-être j'aurais pu donner plus de mouvement à la personne pour voir un peu plus qu'elle se baisse pour esquiver le dragon. Il y a quand même du mouvement, je trouve, dans les cheveux, le vent, tout ça, que peut procurer le dragon qui vole. Donc je suis assez contente de ce petit dessin.
passe au Inktober numéro 5, il fallait dessiner une carte. Comment ne pas penser à la carte de Thorin, donc venant du film Le Hobbit. Alors, une partie de la carte, j'ai dessiné puisque j'avais qu'un seul petit carré pour dessiner et je me suis dit que ça allait être trop petit après. Donc voilà, je trouve le rendu pas mal. Je vous laisse avec ce petit dessin et une petite musique sympathique. On passe au Inktober numéro 6, il fallait dessiner quelque chose de doré, quelque chose de gold. Et on reste toujours dans le même thème puisque j'ai dessiné un anneau inspiré des Seigneurs des Anneaux, je ne vous cache pas. J'ai juste pas écrit ce qu'il y avait autour de l'anneau. Donc là je l'ai juste collé parce que ce dessin je l'avais déjà fait le 6 octobre, le jour même. Et comme je n'avais pas filmé, du coup je vous le colle juste dans mon petit cahier. J'ai réalisé du coup l'anneau avec les Prismacolor et franchement je suis fan du rendu, l'anneau ressort super bien. Et enfin, on passe au Inktober numéro 7. Il fallait cette fois-ci dessiner une goutte. Moi, je pensais tout d'abord à une goutte d'eau ou à une larme. Sauf que je me suis dit, octobre, c'est quand même Halloween, tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire un couteau avec du sang. Donc, voilà pour le petit dessin. J'espère que ça va vous plaire. C'est un dessin qui est tout au crayon papier cette fois-ci. J'ai pas mis de couleur, j'ai pas mis de stylo noir non plus. Mais j'espère qu'il vous plaira quand même.
la première semaine du Inktober est terminée. J'aime beaucoup ce challenge, c'est vraiment hyper intéressant. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que voilà, c'est un jour un dessin et c'est vrai que ça met un peu de pression. Faut vite terminer le dessin en une seule journée, en quelques heures. Et moi, ça me met une pression et du coup, c'est vrai que ce sont pas les meilleurs dessins puisque il faut les faire vite. Et chaque jour surtout, et c'est pas chaque jour qu'on a de l'inspiration ou qu'on arrive à dessiner pour ma part. J'espère quand même que ces dessins vous auront plu. Je vous souhaite un joyeux Halloween si on ne se retrouve pas d'ici là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis assez présente sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok également. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bisous !